salut tout le monde. Bon là on voit déjà que mon miroir il est grave cassé. Premier faille, bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un vlog en fait. Enfin c'est pas un vlog, attendez. Deux, je prends ma chaise parce que là debout comme ça je peux pas. Et donc comme j'ai dit plus tôt, là je vais faire un vlog. En fait je vais faire un vlog. J'en ai fait qu'un seul sur ma chaîne. Comme j'ai déjà dit, j'ai essayé d'en faire mais j'arrivais pas. Genre j'arrivais pas à tout le temps penser à sortir, pensais pas tout le temps à vlogger, genre je vivais plus le truc que de vlogger. Dire que j'en ai fait qu'un seul et là j'avoue quand même, je sais qu'on aime bien les story time. Je me dis que vous me connaissez que à travers les story time, genre vous me connaissez que en mode poser et parler, tu vois, donc c'est ce serait bien genre que je vlog un petit peu mes journées, même si je fais un petit peu rien. Le peu de choses que je vais faire, comme ça je vous le montre. Et puis en plus de ça, moi personnellement, je suis sans tabou. Ce qui veut dire que ce serait bien quand même vous rentrer un peu dans ma vie, tu vois. Parce que tout ce que j'ai vécu, peut-être que vous allez vivre avec moi, genre. Enfin, s'il y a des nouvelles choses un peu, des trucs un peu farfelus et tout, comme ça vous vivez avec moi, genre. Et si je vais en dette, je vais vous montrer. Si je fais quoi, je vais tout vous montrer, je crois. Je sais pas, mais je pense que ce serait trop bien, genre. Vu ce que je présente dans mes story time, ce serait bien aussi que vous viviez ça avec moi. Donc là pour le coup dans les jours à venir j'ai pas forcément des choses à faire, mais j'ai des petits trucs à faire, genre par exemple demain il y a une copine à moi qui veut prendre des photos, elle adore les photos, donc quelques fois je vais faire des photos avec elle, enfin pour l'accompagner, parce que moi c'est pas que je suis pas photo, mais je sais pas, pourtant je dois grave faire mon feed Insta, genre je sais pas si vous voyez, en ce moment je commence à faire des petites photos et tout, mais là faut vraiment que je fasse des photos en extérieur bien présentées et tout, là c'est que des photos que je me prends moi-même en photo, genre. Bref, et en plus de ça, demain aussi, en gros, chez moi, j'ai une panne de machine à laver. Ce qui veut dire que, en gros, nos vêtements... Parce que de base, faut savoir que moi, de base, hein, je sais pas si ça gaspille l'électricité ou quoi, mais genre, quand j'ai un vêtement sale ou quand j'ai des vêtements sales, je les mets directement. Donc, s'il faut faire la machine tous les jours, je fais la machine tous les jours. Il y a d'autres personnes qui font ça tous les week-ends, tous les vendredis, tous les dimanches et tout. Mais moi, c'est vraiment tous les jours quand j'ai un vêtement sale, je le lave. Enfin, je mets ça dans le truc et tout. Et en gros, là, bah, du coup, j'ai une panne de machine à laver. Et donc, nos vêtements, on les ramenait chez mon père. Et c'était pas tous les jours. En gros, c'était genre fin de semaine, bam. Tu vois, genre chaque une semaine, tout, on ramène tous nos vêtements à laver et tout. Et c'est pas que... Si, j'aime pas. Clairement, j'aime, ça me saoule. Moi, j'ai la flemme et tout. Ce qui veut dire que là, j'avais complètement oublié le fait d'avoir des laveries dans des villes. Je pense que ça, c'est vraiment une invention de ouf. Oh, c'est une invention de malade. Genre, il y a des laveries dans les villes. Genre, j'avais complètement oublié ce mode-là. Donc, je pense que demain, je vais ramener des vêtements à la laverie. Hein. Je sais pas si ça va me revenir à combien. Je sais pas comment ça fonctionne, les laveries. Je sais pas s'il faut ramener sa propre lessive. Je sais pas, espèce... On m'appelle. Donc, je sais pas s'il faut payer en espèces ou en billets ou en pièces. Je sais pas. En carte, je sais vraiment pas. Donc, dans tous les cas, vous allez voir tout ça avec moi. Mais vu que demain, je serai avec ma copine, je pense que je vais en profiter. Vu qu'il y a des laveries... elles sont pas mal, genre pour le décor, pour les photos et tout. Ça veut dire que peut-être que je vais emmener mes vêtements là-bas. Et en même temps, on prendra des photos. Genre. Deux ans, t'as capté. Donc, je pense qu'on va faire ça. Ensuite, le 30, parce qu'il faut savoir que là, on est le 22. Donc, le 30, j'ai un anniversaire, mais je vais aller le 29. Et pendant la semaine, je sais pas, moi, je vais recevoir grave des colis. Donc, peut-être qu'il y aura un haul. Peut-être que... Ouais, genre, c'est sûr que je vais faire un haul. Pour, j'avais déjà fait une collaboration avec eux, en plus. Woolsal... Lovely Woolsale, un truc comme ça. C'est un site archi pas cher. Vous-même, vous avez vu que j'ai fait un haul avec et tout. Il y en a plein qui ont dit, ouais, c'est des vêtements grave cheap et tout. La vérité, en fait, c'est des sites chinois. Mais je vous jure que... Comment vous dire? Il y a des vêtements, ils étaient trop bien. Regardez. Je vais vous mettre un des hauts que j'avais mis parce que j'ai déjà fait une vidéo avec. Par exemple, regardez, j'avais pris ça, je l'ai eu là-bas. Ça, je l'ai eu là-bas. Après, il y a d'autres vêtements, mais j'ai pas forcément. J'y vois pas forcément. Donc, regardez, par exemple, ce haut-là, je l'ai eu sur Lovely Wool Sale. Mais la vérité, moi, j'aime bien, hein, genre. Attendez, il est à l'envers. Genre, moi, j'aime bien, genre. Tu vois, il est pas moche. Genre, franchement, j'aime bien. Et j'ai aussi eu ce haut-là, mais lui, je l'ai jamais mis encore parce que c'est pas trop mon style. Genre, ça fait vraiment sexy, genre, tu vois. Et je vois beaucoup de meufs qui avaient ce haut-là. Mais j'arrive pas, je sais pas quand le mettre, je sais pas avec quoi le mettre. Je suis super. Carrément, je crois que je reçois des vêtements demain, je crois. Voilà, après, je dois aussi recevoir bref, plein de petits trucs comme ça. Et mais par contre, je ne sais pas sur combien de temps je vais faire le vlog. Ça peut durer un mois. Je sais pas, en fait. Non, pas un mois, je pense pas un mois. Mais en fait, genre, je sais pas. Moi, personnellement,
Je suis pas une meuf des vlogs. Enfin, je suis pas une meuf qui regarde les vlogs et tout. Mais les gens que je regarde sur YouTube, c'est pas qu'ils vloguent, mais ils montrent leur journée. Genre, je sais pas, c'est naturel comment ils font. Alors que moi, je suis tout le temps là, comme ça, à vous regarder, genre, t'as capté? Ce qui fait que, genre, ça m'intéresse vraiment. J'aime bien comment ils... Je sais pas, c'est pas des vlogs, mais... Bref, donc du coup, voilà. Là, je vais aller les Marseillais sur Salto. La villa des cœurs brisés. Ceux qui connaissent Salto, vous êtes les bestes. Genre, Salto, je crois, c'est l'une des meilleures inventions de la télé. Ou de, je sais pas. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est... Ouais, là, je vous parle, hein. Est-ce que en story time, j'aurais pu parler comme ça? Non. C'est une application qui vous met des épisodes... Deux épisodes d'avance, genre. Par exemple, les Marseillais. Deux épisodes d'avance. Par exemple, là, on est mercredi 22. Bah non, du coup, on est jeudi parce qu'il est minuit passé. Mais on dit qu'on est mercredi 22. Et bien, genre, moi, j'ai déjà... Hier, j'ai regardé ceux de mercredi et jeudi, tu vois. Ensuite, aujourd'hui, je regarde ceux de vendredi et lundi. Je suis en plein dans les yeux des problèmes, t'as capté. Où Ilan, il vient d'arriver. Bref, ceux qui regardent les Marseillais, vous connaissez. Et pareil pour la villa des cœurs brisés, j'en suis à où? J'en suis à quand Vivian et Eva, il y a un rapprochement de ouf, genre. Bref, voilà. Je pense qu'on va se rejoindre demain. Parce que là, je vais regarder, je me calme. Enfin, je vais me calmer. Il faut savoir que je filme avec mon téléphone. Donc, du coup, bah, je regarde les choses sur mon téléphone. J'ai vraiment mis les chambres. Et donc, du coup, bah voilà. On se dit à demain. Je vous dis pas de bonne nuit, parce que là, il est quelle heure en vrai? Attendez. Oh! Eh, j'ai voulu baisser le truc, ça a baissé ma cou. Mais, ah, je peux pas en fait. Je peux pas. Mais je pense qu'il est 2h du matin, parce que tout à l'heure, quand je parlais avec ma pote pour demain, il était 2h, donc elle devait dormir parce que demain, elle travaille tôt. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. S'attrape. Bon, salut les amis. Je viens de me réveiller parce que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait que de regarder des vidéos, tout ça. Donc, il est 15h. Oui, je sais, j'ai vraiment une vie de... Vraiment comme une vie de chômeuse. Oui, pour le coup. Du coup, il est 15h. Je vais me préparer, je vais aller me laver, faire tout ce qu'il y a à faire et commencer à me préparer. Et ensuite, je vais rejoindre ma pote. J'espère qu'elle voudra bien m'accompagner à la laverie. Hein. Parce que, hey, je vous promets que j'ai trop d'affaires. J'ai pris une grosse valise, un gros sac, un autre sac de vêtements pour aller à la laverie, en sachant que je ne sais pas comment ça fonctionne. Bref, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Bref, donc voilà. Alors là, je vous explique. Vu que je vous ai dit que j'allais à la laverie, eh bien, on m'a dit qu'il fallait que des pièces. Et moi, j'ai un billet. Dire que là, il est 19h11. Je sais même pas à quelle heure, à cause du couvre-feu et tout, enfin du confinement, du coup, je sais même pas à quelle heure. Attendez. Donc là, il est 19h11, s'il vous plaît. À cause du couvre-feu, du confinement et tout, je sais même pas si les trucs là, les magasins, là, bref, ils sont ouverts ou pas. Donc là, j'y vais. Mais j'ai, oh, j'ai trop peur. Je jure que là, si c'est fermé, bah j'y vais pas. J'y vais pas. Oh, il y a un soleil! Mon Dieu. Wow, le soleil. Oh! C'est fermé? Non, mais j'ai besoin de quelque chose! Purée. Oh, est-ce qu'il va me dire oui? Est-ce qu'il va me dire oui? Est-ce qu'il va me dire oui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faire la monnaie! Non, des pièces. Oui, s'il vous plaît. Purée, j'ai eu de la chance. C'est pas grave, c'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Oh mon Dieu. Et regardez. J'ai que des... C'est 20 euros là. Hein. Putain. On voit pas, on voit pas. Bref, il m'a grave sauvé. Donc là, je remonte. Je sais pas si je me maquille ou pas. Parce que si j'ai bien vu, la laverie est fermée à 22h. Il est 19h20 là, je crois. Je sais pas. Le temps de me maquiller et tout. Je sais pas. Je suis encore choquée, oui. Bref, donc vous avez vu que ma laisse n'était pas trop. Voilà. Là, je l'ai bien serrée. Et là, je pense que je vais maquiller et on s'attrape maintenant, maintenant. Bon, là, il est 19h35. J'en suis clairement qu'à là. Ça va, j'ai avancé quand même. Quand même. Donc là, mon anti-cerne, c'est celui de chez Dior. Je sais pas si vous connaissez celui-là. Ouais. En teinte 0,90. Il est vraiment foncé, hein. Parce que moi, pour le coup, je suis vraiment foncée. Mais je l'aime trop, genre. Et d'ailleurs, je me suis racheté du make-up sur
Sephora. Normalement, il arrive demain. Je me suis repris un parfum. Oh, je vous jure, là, il faut que je refasse tout. Il faut vraiment que je refasse tout, genre. Mais bref, genre là, cet anti-cerne, il est vraiment trop bien. Vraiment trop bien. En plus, moi, je suis pas une meuf qui en met beaucoup. Ça veut dire que ça passe vraiment bien avec mon teint. Donc là, vous voyez, j'ai mis que ça. Ensuite, je vais mettre la poudre. Et vous verrez. Moins il y en a, mieux c'est. Je vous promets. J'avoue, les imperfections et tout, ça donne envie de mettre plus de matière. Et moins il y a de produits, mieux c'est, je trouve. Tu vois. Là, chacun fait comme il veut, mais... Bon, là, on va dire que j'ai fini. Hein. J'ai fait vite fait. Donc là, il est 20h07, je crois. L'arrêt, il est juste en bas. Bah, je vais y aller. Je prends mon gloss. Je prends quoi? C'est tout, hein, mes clés. Et il faut que je descende les trois grosses valises. Genre, ça va vraiment être un truc de ouf. Ça veut dire... j'ai commencé maintenant. Oh, si je vous montre, vous allez dire, mais elle est folle. La pauvre. Donc là, on dirait que je voyage. Ça. Plus ça. Et vas-y. La pauvre. La pauvre, vraiment. Elle me fait de la peine, hein. Mais toujours, c'est trop, ouais. On dirait que je voyage. Skin. C'est là, j'ai bien compris. Là, c'est pour la lessive, le truc. Là, on prend ça ici. Ensuite, là, il y a tous les trucs. Ensuite, je sais pas quoi. Oh là là. Il en faut plus, quoi. Il va sentir les culottes. Ah oui, non. Attends. Il va sentir les sorties. Oh, mon Dieu. Vas-y, pas là, là. On a même pas de... Tu veux manger là? Bon, là, on est dans la lagune. La... Oui, mais en fait, moi, c'est ce que je t'ai dit. Grec, là. C'est ouvert? Bon, là, la laverie, elle est juste là. Mais madame m'invite à manger. Mais madame m'invite à manger. Et genre, on a laissé nos affaires dans la laverie. Il y avait un mec et tout. Je sais pas ce qu'il va faire avec les habits. Sans tomate. Moi, c'est sauce mayonnaise, hein, sans pain et sans oignon. Bonsoir. Ça serait pour 4 kebabs, s'il vous plaît. 4 sauces. Alors, que c'est beau. La laverie, elle est juste là. On est parti retirer de l'argent. Et voilà. Et vous savez, j'ai la phobie de là. Je peux pas. Genre, je peux pas. Que c'est beau. Hein? Je peux pas, oui. Regarde. Oh non. Non, mais bien. Cassandra, là. Je vous jure, les trucs by night, ça date. Ça date vraiment. Voilà, je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est toi qui filmes là? La vie, be like. Je vais te faire des photos ici là. C'est pas mal, hein? Vraiment pas mal. Ils ont des grosses frites, hein? Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, bon là du coup j'ai fini, enfin on a fini de trucs à l'abri. C'est archi lourd. En plus j'ai pas pu tout mettre dedans parce que oh, c'était trop long, il est 22h et c'est fermé. Bref, en plus c'était vraiment fermé. Du coup là je rentre, je vais me débarbouiller, débarbouiller. Ensuite j'ai regardé Salto. Ensuite je sais pas, parce que je me suis réveillée à 15h, donc je sais pas, je sais pas quoi de la nuit. Mais je sais pas. C'est une mauvaise gestion. Quand j'ai sorti le bail, tu as dit aïe sans poser de questions. Bye bye, bye bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Je suis au Mehdi, chakoulou, chakoulou, chakou. Bref, donc comme vous voyez, je suis rentrée là. Calculez pas mes ongles. En plus, j'ai gardé par mes ongles. Ça fait plus d'un mois que je les ai. Et il n'y en a aucun qui bouge. Vraiment aucun de bizarre. Mais là, les repousses, elles sont graves. Et ça a trop bien repoussé. Bah, pour ceux qui veulent savoir où j'ai fait mes ongles, c'est Kenji of Hope. C'est la meilleure. Ça fait quelques temps déjà que je fais mes ongles là-bas et je suis archi pas déçue. Déjà, c'est la meilleure prothésiste du monde. C'est-à-dire que même humainement, je l'aime trop. Genre humainement, c'est trop. Et sa personne, elle est trop touchante. Je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop. Et ceux qui la connaissent personnellement, vous-même, vous savez de quoi je parle. C'est un amour. J'ai même envoyé des copines à moi faire les ongles et ils m'ont dit, mais Magdala, tu nous envoies chez qui là? Genre, elle est trop gentille. Elle est plein de conseils, même si elle te connaît pas. Bref.
Moi, je l'aime trop personnellement. Donc là, la dernière fois que je les ai fait, c'était le 16 mars, je crois. Là, on est le 23 maintenant, parce qu'il est minuit passé. Non, il n'est pas encore minuit. On est le 22. Ils sont encore là. Et c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Bref, donc comme j'ai dit, là, je vais me débarbouiller. Finalement, ma copine qui voulait faire des photos, on a changé de programme. C'est-à-dire que, bref, notre programme, il était vraiment trop compliqué. Parce que de base, en gros, moi, j'ai un compte nickel. Et je reçois des prélèvements. Enfin, il y a des... Enfin, je sais pas. Genre, ça prélève l'argent tout seul. Ça veut dire qu'il y a un truc qui s'appelle E-Capucine, je crois. Et je vous jure, je vous assure, ça me prélève de l'argent tout seul. Et genre, ce mois-ci, genre, il y a une semaine, ça m'a prélevé 90 euros. Le mois dernier, 40. Celui d'avant, 30. Oh, et je sais pas, le E-Capucine, il vient d'où, en fait. Du coup, je suis partie me renseigner et tout sur Internet et tout. Et... Mais en fait, c'est de la fraude. C'est vu comme de la fraude parce que j'ai mis ma carte dans un site... J'ai dû commander quelque part et du coup ils ont gardé la carte. Donc en fait c'est ouais, clairement c'est une fraude en fait, c'est une fraude. C'est un abonnement je crois, un truc comme ça. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ça veut dire que j'ai fait opposition de ma carte parce que quand j'ai contacté Nickel, ils m'ont dit clairement que c'était de la fraude. Donc j'ai fait opposition de ma carte et aujourd'hui je devais la refaire. Bref, je devais la refaire. Ensuite, je devais bah comme je vous ai dit, je suis partie à la laverie et tout. D'ailleurs là, je vais étendre mes vêtements parce que le séchage là-bas, laisse tomber. Bref, trop de complications. Donc du coup, je l'ai pas vu, mais je pense qu'on va se voir dimanche. Là, j'ai reçu 3 mails qui me disaient que demain je recevais des colis. Je sais il y a quoi, il y a mon parfum que je reçois parce que le mien il est terminé et d'ailleurs et quand j'ai quand en fait moi je crois que je bois les parfums quand la vérité attendez je vous montre quel parfum je mets genre de base je mettais l'interdit celui-là parce qu'il y a plusieurs interdits celui-là lui aussi lui je l'ai pas bu mais je l'ai bu tu vois ils sont trop bons lui là mais en fait comme vous savez les parfums ils ont 3 odeurs genre et je crois la dernière odeur et la deuxième parce que le premier il est vraiment chimique genre. Mais le deuxième et troisième odeur, je peux crever. Ça sent trop bon, vraiment trop bon. Après, j'ai voulu changer. J'ai pris celui-là de chez Lancôme, la nuit trésor, nude. Je vous jure que partout où j'allais, on me disait, Magda, tu sens trop bon. Je vous jure que partout où j'allais, Magda, tu sens trop bon. Lui, je sais plus c'est lequel millilitre, là. Lui, c'est le 50 millilitres. Et là, j'ai pris le 100. Il arrive demain. J'ai aussi pris... Deux anti-cernes de chez Too Faced. Donc là j'en ai 3. Donc du coup j'en ai racheté 2 pour le stock, tu connais. Et j'ai aussi pris Fenty, ils ont fait un truc. Ouais mes sourcils, je sais pas si vous allez voir. Ouais mes sourcils, la perruque elle est décollée. Bref genre ils sont fixés, tu vois. Eh mais ma perruque elle est vraiment horrible. Bref on est en fin de journée, je m'en fous. Les sourcils ils sont fixés et tout. Et genre Fenty, enfin Rihanna du coup, elle a vraiment fait un truc exprès pour ça, genre la cire avec la brosse pour que ça fasse bien, tu vois. Parce que moi personnellement, je mets de la Got2B sur mes trucs, tu vois. Et j'avoue, même si je sais le manier et tout, il y a des résidus. Du coup là, j'ai pris pour tester ce que ça allait faire. J'espère qu'il y a les vêtements là du haul qui arrivent. Fetchy, ça arrive lundi je crois ou demain. Là c'est tout. En tout cas les deux parfums que je vous conseille de ouf, c'est l'interdit de chez Givenchy et la nuit trésor de chez Lancôme. Trop bon, trop bon. Et les deux, putain, elle, oh mon dieu, ils sont trop bons. Bref, salut. Qui étaient mes mains grises? Là, je viens de terminer le ménage. Bref, je viens de terminer le ménage. Mes mains, elles sont grises, comme vous pouvez voir. Mais bref, là, j'attends mes colis parce qu'il est 10h45, je crois, je sais même pas. Ouais, j'attends mes colis et ensuite, voilà, vraiment, ma tête du matin, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, genre. Bon, là, le livreur de ma paire, il est arrivé. On va faire vite. Regardez mes pieds. Il faut que je fasse ma pédicure, wesh. Il n'y a que ces deux-là. Bref. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Pas mal. Bref, donc du coup, j'ai reçu la paire. Donc. Là, je regarde. Je sais pas si vous suivez, mais l'histoire des anges, là. Moi, personnellement, cette année, j'ai que regardé les deux premiers épisodes, je crois. Mais ce qui se passe, c'est un truc de ouf. Hein, la vérité. Oh, Raphaël, ça a pris tout. Moi, je peux plus les voir. Donc numéro 7, vous connaissez, c'est 40 en Angleterre, c'est 40 je crois. Je l'ai que vu sur le site, j'ai jamais vu quelqu'un avec, je sais même pas si elle est belle ou pas. Ça va, franchement ça va. Franchement ça va. Non, elle est pas mal. Oh chou, j'aime trop. J'ai jamais vu quelqu'un avec, hein, bizarrement.
Si quelqu'un les a, dites-moi s'il vous plaît. Moi, j'ai vu personne avec. Mais j'aime beaucoup. Attendez, je vais me mettre au pied. Je suis désolée de le dire, mais le nom de Raphaël Pépin et de Sarah Frézou ressort énormément depuis plusieurs saisons parfois. Franchement, si vous dites qu'elle est moche, vous n'avez pas de goût. Je suis désolée. Je pense que c'est ce genre de candidat. Bref, là, j'attends mes autres colis. Et normalement, aujourd'hui, je fais rien. Je fais rien de spécial. En plus, moi, je suis pas une meuf qui sort de ouf. Carrément, hier, je suis sortie pour aller à la laverie. Regardez comment je me suis maquillée. Enfin, c'est pour des photos aussi, mais. Genre, je sais plus à combien je les ai achetés. Et c'est arrivé en. J'ai commandé ça avant-hier et ça arrive aujourd'hui. Mais ouais, mercredi, je les ai commandés. Dans la nuit, hein, et c'est arrivé là aujourd'hui. Donc, franchement, pas mal. Le délai de livraison, pas mal. La paire, pour le coup, pas mal. Voilà, tout est pas mal. Voilà. Oh mon dieu, c'est bien blindé, hein. Est-ce que je vais réussir à prendre le. Bon, on se rejoint en haut. Bon, là, je viens de rentrer, du coup. De base, j'étais partie avec marqué. Bref, tu connais. Et j'ai vu que la boîte aux lettres était remplie. Donc ça, c'est sûr que c'est Sephora. Donc voilà. Voici celui-là. Attendez, je vais vous montrer ce que j'avais avant. Enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hier. Bref, t'as capté. Je crois que le carton était moins gros. Je sais pas, mais vu que là, c'est 100 ml. Il est pas mal. Ensuite, ça, c'est leur cadeau, là. En échantillon, ils me l'ont repassé. Parce qu'il faut savoir que... Ah, parce que c'est celui-là. Lui, je l'ai acheté parce que justement, j'avais un échantillon dans d'autres achats que j'avais fait à Sephora. Mais est-ce que c'est lui? Ensuite, il y a le truc de chez Fenty que je vous avais dit. Et les deux anti-cernes de chez Too Faced en teinte toffee. Comme je disais, lui, c'est celui que j'avais de base. Vous pouvez voir et tout. Et lui, c'est lui que j'ai reçu là. Vous voyez la différence? 50 ml, 100 ml. Et le entre 50 et 100, il y a le 80. Je pense que vous savez. Comme je vous l'ai montré hier, lui, il était comme ça. Hey, je vais faire un unboxing de parfum. Waouh, trop beau. Bébé, maman. Ensuite, pour les Too Faced, maman, vous connaissez. Je vous ai montré hier dans tous les cas. Voilà, et ensuite pour Fenty. Donc, il se présente comme ceci. J'ai jamais vu. Et dans ce qu'ils m'ont offert de chez Lancôme. Attends, les petites pauses, là, j'ai trop soif. Je sais pas s'il y a que moi, mais moi, je suis plus salée que sucrée, genre de ouf. Esti. Meilleure boisson avec le ginger beer, bien sûr. Donc, c'est une trousse et dedans, il y a... Mmh, ils me l'ont mis en petit. Oh, trop bien. C'est quoi, ça? Je crois que c'est un mascara. Hein. Ouais, un petit mascara. Et ça, c'est concentré activateur de jeunesse. Génifique. C'est quoi, ça? Et ensuite, pour le haul, bah, j'ai reçu les vêtements de chez Lovely Woolsal. Normalement, je devais faire un truc genre ma pote note mes tenues, mais elle est pas là. Je vais tout vous montrer prochainement. Hein. Mais il y a combien d'articles? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ça va. Et j'espère vraiment que c'est pas la Kaamelott. Hein. Est-ce que j'en essaye un devant vous? Je sais pas. Oh, il a l'air beau lui. Désolé, il faut que je vous montre. Il faut que je vois quand même. C'est de la bombe. Les autres, je vais pas ouvrir. J'attends de tourner. Mais c'est de la bombe. Les amis, je suis en plein haul. Normalement, le haul, vous allez voir parce que le vlog va sortir quand j'aurai tout fait. Donc, entre-temps, il y aura le haul qui va sortir. Mais genre là, j'en suis au pyjama. I'm gorgeous. I'm very happy. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Ah oui, et du coup, j'ai essayé les trucs de chez Fenty. Ça va, hein, franchement, ça va. Faut que j'apprenne bien à le manier parce que j'ai appris de moi-même, hein. Que fallait apprendre à connaître ces produits et comment les utiliser. Parce que moi, il y a plein de produits que j'utilisais pas, que j'avais. Et parce qu'en fait, j'utilisais mal. Longtemps après, qu'en fait, j'ai terminé le haul. Il était trop bien. Genre, je suis vraiment choquée des vêtements que j'ai reçus de chez Lovely Woolsal. Sale. J'ai pas l'accent, mais vas-y, je suis vraiment trop choquée de tout ce que j'ai eu par rapport au premier haul. C'est un truc de ouf. Et la vérité, je crois, ils ont vraiment voulu vous prouver. Voilà, ils m'ont dit, Magdala, tiens, va choisir Kene Koponalisus. Ils ont vraiment prouvé qui était qui. Là, Lovely Woolsal, même sans eux, je crois que je vais commander. Et dites-vous que c'est que des trucs en mode badis et tout, les trucs d'Insta, tatata. Là, c'est vraiment un truc de ouf. C'est pas ce que tu as trouvé sur Pretty, c'est pas ce que tu as trouvé sur je sais pas où. Après, moi, comme j'ai dit, AliExpress,
je connais pas. Je vois que les gens ils commandent là-bas, ça a l'air bien. Mais là, c'est vraiment des vêtements, la vérité, moi j'ai jamais vu. Parce que moi je suis une meuf de Pretty, hein, je vous dis la vérité, je suis une meuf de Pretty. Bah carrément, demain et tout, j'ai un recherché en colis. La vérité, j'ai jamais vu des vêtements comme ça chez Pretty. Pourtant, eux ils sont grave dans la mode et tout. Ils sont grave dans la mode, ils sont grave là. Genre, ils sont à jour dans les trucs et tout, mais j'ai jamais vu ça. Donc là, bah j'ai plus rien à faire de ma journée. Donc je pense qu'on va s'attraper demain. Enfin demain du coup je reçois mon colis chez Pretty, mais demain je sors aussi pour vous allez voir, demain on s'attrape, on va aller un petit peu sur Paris ensemble. Et on s'attrape demain, c'est peut-être que je vais revenir tout à l'heure, je sais pas, mais là pour l'instant on s'attrape demain. Bisous. Là je suis vraiment pas en état, on m'est arrivé dans mon sommeil cette dame. Ah, donc du coup là on est chez ma copine, celle avec qui j'étais hier, vous voyez c'est une africaine. Hop. Ah ouais, hop, Saraf Tourbeck. Je sais pas comment on dit, désolé. Elle fait à manger, c'est vraiment une maman. Là-bas, il y a sa fille la plus belle avec le papa. Voilà. Tourbeck. Christelle. Tu me fais écraser toi un jour, hein. Donc là, du coup, bah, on va chez ma cousine, vous connaissez, en famille. Waouh! The family. Et j'ai vraiment une sale tête. C'est vraiment. C'était pas prévu du tout. Alors, ma mère, vas-y, elle m'a dit de lui ramener des binzo là, avec du poisson fumé, makayabu, tout est là, là. Vous voyez ou pas? Bref, c'est-à-dire que là, je vais chez ma cousine et on dort là-bas, vu que demain, je vous ai dit que je fais quelque chose. En plus de ça, demain, je devais recevoir mon colis de chez Pretty, mais vu que je serai chez ma cousine, j'ai reporté à lundi. Voilà, donc là on y va. À la rega. Oh, ils sont choubidous. Ils sont choubichou. Il est 7h du matin. Je viens pas de me réveiller. Je me suis réveillée à 4h, je crois. J'ai fait du montage et du montage pour le haul. Et normalement, il sort aujourd'hui. Donc là, on est dimanche. On est samedi. Là, il y a la dame qui dort, là. On est samedi. Je vais sortir ce soir. En sachant que là, hier, j'ai sorti de Fouille à Recherche. D'ailleurs, l'adresse qui est ce truc ici, là, s'il vous plaît, envoyez vos annonces, ça marche, ne vous en faites pas. Matez la couleur, comment ça peut être clair comme ça? Attendez. Bref, donc là, en gros, le programme, c'est que, bah, depuis, je ne vous dis pas ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais vous dire, mais je vais encore vous montrer, vous attendez encore un peu. Et c'est-à-dire que là, on doit quitter d'ici à 13h pour aller chercher le gâteau. Et oui. Non, on doit être 13h là-bas. Non, en fait, on quitte ici à 12h30, je crois. 12h30, on prend le train. On va aller récupérer le gâteau. Et ensuite. Attends, on part à 12h30 où? On prend le bus ici, le train ici à 12h30. T'as regardé le bus à la gare? Quelle gare? Mais pour aller chez Jade, elle habite jusqu'à la. Mais non, elle a dit qu'elle venait à la gare. À quel moment? Elle a dit à Christella. Elle a dit le rendez-vous, il est à la gare. Sa sœur, hein, pas Jade. Bon, les amis, là, je viens juste de rentrer chez moi. Carrément, je suis essoufflée et j'ai vu qu'il m'avait livré finalement mon truc de chez Pretty. Que du coup, j'étais à côté, mais enfin, j'étais pas loin de ouf. J'avais dit pour lundi et ils m'ont quand même livré. Je sais pas si je dois le prendre en mode sympa ou pas, mais bref. Donc, je sais pas si c'est du foutage de gueule ou s'il y avait deux colis, mais il ou l'autre. Donc, du coup, la même route qu'hier avec la même dame qu'hier. On va partir récupérer le gâteau. Ensuite, bon, je vous explique directement mon programme parce que vas-y, je crois que j'aurai la flemme après de parler. Ensuite, on va aller. Ensuite, je rentre chez moi me préparer. Ok. Ensuite, on repart. Non, là, on part sur Paris pour aller préparer ce qu'il y a à préparer. Et après, c'est tout. Hein. De toute façon, on se donne rendez-vous là-bas. Mais là. Depuis tout à l'heure, on fait des allers-retours. Enfin, depuis tout à l'heure. Là, on va commencer nos allers-retours là. Oh. Là, on a récupéré le gâteau. Il a l'air trop bon. Oh là là. Tu diras des secrets parce que c'est les frérots qui connaissent toute ta vie qui peuvent te liquer. Lunettes noires dans l'œil. Avec tes blesses, mais ça fait du bien. Mentir, c'est faire reculer les siens. Avec tes blesses, mais ça fait du bien. Bon, là, on est arrivé sur Paris. Elle avait tombé le gâteau. C'est où 61, wesh? C'est là, c'est en face. Bref, donc là, on arrive à destination. Hop. Attention. Allons-y. Bref, donc là, on est clairement à la porte. On nous a mis à la porte. On est toutes dehors. Voilà, on est toutes dehors. Moi, j'attends que de retourner dans la voiture là pour rentrer. Tu me regardes, toi hein? Il prend tout son temps. Je suis fatiguée là. On m'a mis une page dans le ventre. Hein? Il est vraiment violent tout le temps.
Bon, là, il est minuit passé. Après une longue journée, je rentre enfin. Et on a fait tout le tour de l'Île-de-France. 7, 75, 5, 91. Tout. Et vas-y. Il n'y a personne à la maison. On va faire la teuf. Voilà, on n'est pas tout seul. Kevin! Kevin! J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mets, que je m'aime. Désolé les amis, je peux vraiment pas vous boutrer ma tête. Bref, là il est 14h. Pour vous dire, depuis que je me suis réveillée, là, depuis qu'ils ont fait leur boucan, j'ai pas réussi à m'endormir, mais là le sommeil commence à venir. Mais si je dors maintenant, je vais me réveiller dans 1000 ans. Et en gros, quand j'étais chez ma cousine, là, hier, au réveil, en fait, ma pote, elle m'a dit que pendant mon sommeil, je claquais des doigts. Genre, je craquais mes doigts. Ça, c'est un truc que je fais dans la vie de tous les jours, ça, là. Mais genre, pendant mon sommeil, je le faisais. Et je faisais aussi ça. Mais sur mes deux ongles. Genre, je faisais ça. Pendant mon sommeil. Ça va pas ou quoi? Donc, du coup, moi, j'ai été curieuse. Enfin, ça me fait un petit peu peur, ça. Elle avait vraiment l'impression que j'étais... Enfin, vivante. Que j'étais réveillée. Mais elle m'appelait et je dormais, genre, comme un bébé. C'est-à-dire que là, en fait, je pense que je vais déposer ma caméra. Du coup, le téléphone. Pendant que je dors, parce que là, je vais m'endormir et je vais voir ce qui se passe. Et carrément, si c'est une bonne idée, j'ai même envie de le faire sur ma chaîne normale, parce que là, c'est un vlog, mais genre sur ma chaîne normale, tu vois. Parce que là, c'est une sieste aussi que je vais faire, tu vois. Ouais, donc là, je vais dormir et vas-y, on s'attrape, les amis. Bon, bah, du coup, il est 20h, je viens de me réveiller, la caméra s'est éteinte, je sais pas pourquoi. Mais je suis encore très fatiguée. Ah, je suis vraiment KO pour le coup. Ouais, ça a filmé que 2h30. C'est pas grave. Je pense que j'aurai rien d'autre à filmer aujourd'hui. Donc je pense qu'on va s'attraper demain. Ouais, demain. Ouais. On se retrouve deux jours après parce que hier j'ai pas pu, j'étais grave fatiguée. Là je suis à Chocolat. Chocolat. Vermo et tout, je suis avec ma petite go, t'as capté. Le style. Donc en gros, on a grave fait. J'ai grave acheté des trucs là. À la base, on est venu que pour un truc. À mort. Pour la coloration, j'ai pris tout n'importe quoi. Je vous montre tout à l'heure, dans tous les cas. Hein, je vais colorer une. Attendez, je monte ma tête. Ah, c'est beau comme ça. C'est beau. Donc je disais, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris tout à l'heure. C'est pour ma perruque blonde. Et voilà, waouh, on a des belles ombres. Oh my god, ton. Ouais. Donc là, on rentre chez elle. Tu connais, on est à Chocolat. Chocolat. C'est à côté de Meaux. Ouais, c'est à côté de Meaux. Et là, on va à Meaux du coup. Elle est jamais venue ici. Non. Depuis qu'il y avait un Meaux, tout le temps. Oh, laisse-moi tranquille. Bref, donc voilà. Donc du coup, on est rentré. Voilà, c'est qui ça? Donc je vous montre que... Je vous montre ce que j'ai pris. Bah, du coup, j'ai été à Auchan. Le chocolat. Merci. Donc, j'ai pris. Ouais, j'ai pris une coloration comme ça chez l'Indien d'en bas. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est. Regardez. C'est une couleur qu'on obtient au bout du foncé à partir du noir. Et j'avais peur, donc du coup, je suis partie reprendre ça à Auchan. Ensuite, bah, j'ai pris la crème. J'ai pris de l'huile précieuse. Voilà. J'ai pris une mousse. Un gel nettoyant. Démaquillant. Crème pour le visage. Bah, du coup, pour le démaquillant, du coton. Un shampoing. Encore une huile précieuse. Tiens, ma belle. Un spray pour le maquillage que j'ai vu. Je sais même pas s'il est bien, j'ai vu, j'ai pris. Oh. Ensuite, le shampoing violet parce que du coup j'ai pris des couleurs. Ah, j'ai pris une coloration et ça va pour une perruque blonde. La mousse coiffante, vous connaissez. Et bah, du coup, ça, je vous ai présenté. Wow. Bon,
jour suivant, j'arrive pas à vlogger comme je vous ai dit. Genre je vis, mais j'arrive pas à sortir la caméra pour me dire ah tiens faut vlogger. J'arrive pas. Surtout que là je suis grave en mode je m'ennuie pas genre tu vois. Que chez moi je m'ennuyais un peu, j'étais toute seule. Donc je pouvais vlogger. Et là j'ai pas l'habitude. Mais c'est pas grave. J'ai rien fait de ma journée pour l'instant. Ouais j'ai rien fait pour l'instant. Enfin, pour l'instant il est quand même. Il est 17h. On est déjà en fin de journée. Donc voilà. Et voilà. Voilà. Toujours accompagné de madame. Hein. Toujours accompagné de madame. Jusqu'à Vendredi, donc vendredi. Jusqu'à vendredi parce qu'il y a son anniversaire. Bref, on s'attrape, les gars. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Manouchka, joyeux anniversaire. Oh my God. Je sais pas, j'arrive vraiment pas à bloguer, donc là on est vendredi 30, et comme je vous ai dit, il y a l'anniversaire. Dans ma tête, elle est pas bon là. Elle est pas... Oh. Donc, on est en train de run track dans mon petit ménage avec la petite de caméra. Apéritif. Hey, j'ai l'œil rouge, je sais pas pourquoi. Hein. Bref, apéritif. Ensuite, on va se préparer. Hey, il y a sa maquilleuse qui arrive à 15h. Ah oh. Voilà. Tu dis bonjour? C'est dans le vlog! Yes. Maman! Titi! Donc là, on prépare les ballons. Ah bon, Victoria? Donc, oh bah tiens, voici Kenny, cowboy de Sarcelles, c'est bien lui. Le grand, le vrai, le méchant loup. Ouais, le méchant loup. Bref, là j'ai commencé, on a commencé. Et les invités que vous voyez là-bas. Voilà. La reine de la soirée, elle se prépare là. On l'attend. Un restaurant, un parce que nous on sert un restaurant,
1. Merci. Yeah,